Bonjour, bonjour, c'est Aegon, bienvenue dans The Live WoW. On est parti avec nos sécheresses. Je vais peut-être me poser la question si j'étais assez âme pour monter un personnage. Ravi d'apprendre que votre mission a été un succès, capitaine. Ah, voici donc notre nouvelle recrue. Bienvenue. Débloquer un personnage niveau 50, que j'ai déjà 40 là, on mettait 50. Pour voir si j'ai le droit à la quête de Chromie pour pouvoir faire les anciennes extensions. On en a vécu des choses, vous et moi. Bonne chance à vous. D'accord, le roi nous a convoqué d'urgence. Plaque. Peut-être baisser un peu la musique. On se reverra. Heureuse de vous revoir, recrue. Bonne chance à vous. La guerre contre la Horde me préoccupe beaucoup. Quoi de neuf, maître des espions? Aux dernières nouvelles, la Horde se serait alliée à l'Empire Zandalari. Sa puissance navale s'en trouve considérablement accrue. Dans ce cas, nous devons nous aussi trouver des alliés. Jaina, que pensez-vous de Kul Tiras? Leur flotte est inégalée à ce jour. Pourriez-vous les convaincre de rejoindre l'Alliance afin d'unir nos forces? Je dois essayer. Sans la marine Kul Tirasienne, nous n'avons aucune chance face aux flottes combinées de la Horde et des Andalari. Je reviendrai avec la flotte Kul Tirasienne, ou je ne reviendrai pas. Prudence, Jaina, que la lumière soit avec vous. Dois-je vous rappeler que c'est justement Jaina qui a fait quitter l'Alliance à Kul Tiras? Ils n'accepteront jamais son retour. Raison pour laquelle elle n'ira pas seule. Pour l'Alliance avant tout. Et la plus grande puissance navale de l'Ordre, une alliée. Ah, t'avais quelle depuis la. Quelle a dit ici? La lumière nous donnera la victoire. Je dois préparer mon navire. Héros, rejoignez-moi au port quand vous souhaiterez partir. Alors, Jen, prêt à partir en mer? Plus prêt que jamais. Prenez un navire de la 7e Légion pour vous escorter. Établissez une base d'opération en Kul Tiras. Notre plan ne doit pas échouer. Et s'il vous plaît, veillez sur Jaina. À vos ordres. Il me semble... Attends. Il n'y avait pas un personnage là, c'est le personnage qui est dans le coin. À droite, tu bloques ton XP. À gauche. Voilà, plus bas quand on monte la rampe. Là on sort, ok. Okay.
cacher encore le saut qui te bloque ton XP là. Donc c'était là qu'il y avait le mec qui te bloquait ton XP. Pardon. Bonjour, Nota de Dallas. Et tiens, puisque t'es là, c'est pas dans le donjon de Hurlevent qu'il y a le personnage pour te bloquer ton XP? Comment allez-vous? Que la journée soit bonne. Merci. Sorti en fait, il a désactivé le didacticiel, je pense. Si on peut réactiver le didacticiel. J'ai sorti de la ville et le jeu a déclaré que j'ai désactivé le didacticiel. C'est assez franchement. Toujours pas. Pour au moins un personnage niveau 50. Là, ils disent, c'est impossible, une fois que vous aurez visité la ville, rencontré le roi, ça c'est fait. Votre présent avant de pouvoir. Donc faut vraiment que je monte. C'est comme si on faisait connaissance une deuxième fois. Haha. Je crée le monte 50 en fait celui. J'aurais bien voulu faire les lignes temporelles avec ce personnage-là, en fait. Hop là.
C'est vrai qu'en même temps, j'ai pas testé les quêtes du coin en fait avant de. Enchaîner sur ça. Attends, est-ce que je peux descendre par là moi? Non. Attends, c'est. Par là. Désolé, aventure. Eh bien, je bouge et je dirais toujours comme AFK en fait. Que peut faire la fille du vent salé pour vous aider? L'Alliance survivra. Aucune tempête ne saurait m'éloigner de toi. C'est l'heure de partir, Jaina. Je t'aime, papa. Je t'attends sur le pont, ma chérie. Ta tendre mère ne te pardonnera jamais. Meurtrière. Dame Jaina, nous sommes arrivés. Merci, capitaine. Ok. Elle est bien modélisée là. Le véritable combat nous attend. Rapprochez davantage de l'heure d'avoir marché. Retour à Boreus. Éveille en moi des émotions que je pensais avoir renoncées sous polie par le passage des ans. Comme les galets par la marée, tout est à nouveau à vif. J'ignore comment cela se terminera. C'est juste qu'il nous faut essayer d'accompagner un. D'accord. À son audience avec Catherine Port-Vaillant. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Espérons que tout se passe bien. Halt ! Quel est l'objet de votre visite ? Je suis Jaina Port-Vaillant. Je souhaite obtenir une audience avec l'amiral suprême, non, mais c'est... Catherine Port-Vaillant. Tu fais quoi, là? Nous allons vous conduire auprès de Catherine. Vous répondrez de vos crimes envers Kul Tiras devant elle. Un peu fort, la musique. Qu'il en soit ainsi. Faites place! Nous détenons une dangereuse prisonnière! Je vois que la garde est toujours aussi disciplinée. Elle faisait la fierté de mon père. Maintenant, elle me traite comme une criminelle. Maman, c'est qui cette dame? Viens, on rentre. Dépêche-toi. Je suppose que je le mérite. Éloignez les civils!
Formez un périmètre de sécurité. C'est la fille du vent salé. Dame Jaina, c'est vraiment elle? Elle est venue nous achever. Assassin! Traîtresse! Je suis prête à affronter mon sort. Pour l'Alliance. Bon, par contre, quand tu débutes dans le jeu, t'arrives ici, tu te demandes pourquoi. Est-ce que ça va le rappeler, l'histoire? Ainsi, ma fille est de retour parmi ceux qu'elle a trahis. Pourquoi? Je suis venu solliciter votre aide. Au nom de l'Alliance. L'Alliance? Ha! Où était-elle quand nous avions besoin d'elle? Quand nos maris, nos fils et nos frères ont été massacrés à Terramort? N'imputez pas à l'Alliance les fautes que j'ai commises. Alors vous l'admettez? Vous avouez être responsable de la mort de nos hommes? Oui. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir les blessures de Kul Tiras. Catherine, faites appliquer la loi. La trahison est punie de mort. Es-tu prête à accepter le jugement de ta patrie? Je m'en remets à votre jugement, mère. Tu n'es plus ma fille depuis longtemps. Faites comme bon vous semble. Elle n'est rien pour moi. On se retrouve à poil. La fille. Hey! Regardez qui se réveille! Ils ont tout ce qu'il a plu. Bon, voilà le plan. Frappez-moi. Allez, frappez-moi. Il demande. Enfin, je regarde. Mais ça fait mal! Par contre, ouais, t'as tapé de loin. Garde! Au secours! Oh! Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Actionnez le levier du carton. C'est quoi ça? Horde... Ah oui, horde de tuer. Vite, actionnez ce levier! Non, parce que le zoom est un peu loin. Pas trop loin. C'est l'heure de la mutinerie, les gars! Qu'est-ce que... Bien sûr, mais disons... T'es bourré, toi? Prenez votre équipement et allons rendre visite aux gardiens de ce quartier. On aura besoin de ces clés. J'ai bien voulu cacher mon casque, moi. Oh!
Y'a rien, attends. Logiquement dans les prix. Dans le machin, y'a rien. On dirait que les clés sont foutues. Ça, c'était... Qu'est-ce que c'est que cette poudre ? Hé, aidez-moi à en récupérer un peu. Encore une chose. Deux, même. Ah, je préfère ça. Je me sentais tout nu sans elle. Mmh. Allons-y. On peut peut-être exploser la serrure. Verser un peu de poudre dessus. Et maintenant, la petite étincelle. Vous devriez reculer. C'est du brutal. Descendons dans les niveaux inférieurs et tâchons de trouver une sortie. Barrière de corail de poussière de fièvre. Enfin, j'ai pas eu le temps de le... Ah, main gauche. Ah non, c'est un bouclier. Il m'indique de l'autre côté. Qui fait du bruit là. Faut qu'on me descende machin mais je vois personne. Il me faut une cible. Bonjour Carpaccio. Oh, et ça renarde comme un hamac de flibustier galeux.
aider. Je n'ai pas de cible. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. Quelque chose a frôlé ma jambe. Attendez. Non, en fait, c'était juste mon autre jambe. Tout va bien. Comment tu vas, Carpaccio? Vous là, on bouge plus. Qu'est-ce que... Non. Ça va, ça va. Je redécouvre le jeu. Officiellement fini avec ce trou à rats. Venez, un bateau devrait nous attendre sur la plage. Comme je redécouvre le jeu et tout ça. Par contre, j'aurais bien voulu commencer par les lignes temporelles de Chromie pour, entre guillemets, recommencer le jeu de zéro. Mais apparemment, il faut déjà un personnage de level 50 pour ça. Non, c'est pas ça que j'ai oublié. Ouais, c'est t'as pas le choix, c'est d'office BFA quoi. Alors attends. Là, ça m'indique ça là. Là pour l'instant j'ai pas le choix, je suis obligé de faire BFA. Que s'est-il passé là-dedans? Tu as provoqué une émeute? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais j'ai des infos compromettantes sur Corsandre. Une nouvelle poudre à canon, comme je n'en ai jamais vu. Oh, et j'ai secouru la cible, bien entendu. Camarade de cellule, Taïlia, camarade de cellule. Attendez, je vous connais, vous. Vous étiez avec Jaina Port-Vaillant. Vous êtes l'émissaire de l'Alliance. Émissaire de l'Alliance? Cyrus ne l'avait pas dit, ça. Je lui aurais fait payer le double. Estime-toi heureux qu'il te paye. Maintenant, rame. Et lol. Le familier qui court sur l'eau. Est-ce que tu sais si on peut cacher le casque du personnage? Carpaccio. Nous y voilà, le port de Boralus. Il s'agit de l'endroit le mieux gardé de la ville après le tour. Ah oui, on peut, ça serait cool. Et c'est aussi le seul endroit auquel la plupart des visiteurs ont accès. Un autre navire de l'Alliance est déjà à quai. J'espère que ses passagers ont reçu meilleur accueil que Jaina.
Parce que une fois que ce personnage level 50, je sais même pas si on pourra faire les lignes temporelles, les autres lignes, une fois level 50. Que je serais peut-être trop haut level. Merci pour la course, Tae. Je vais faire mon rapport. T'as pas le mammouth, enfin le yak. Il y a un transfungateur à Boralus. Je peux vous aider ? Poudre à canon scintillante. L'alliance, c'est un homme. Ne pensez plus à votre évasion. Ce marché abonde de voyageurs comme vous. Venez, je vais vous faire visiter. Et je te suis, passe devant. Ah non, je dois avoir lui. Ce bac fait la navette dans toute la rade. Une autorisation du bureau du maître du port est nécessaire pour l'emprunter, mais ça ne sera pas un souci. Enfin un peu d'action. Attends, y a quelqu'un à voir là, non? Ah non, c'est le bateau. Produit. Il n'y a pas du tout que je prête. Vous êtes là pour discuter ou pour faire affaire? Bon, ça normalement le bouclier, vu ma classe, j'ai pas besoin de le garder celui-là. N'hésitez pas à repasser. J'y manquerai pas si en cas de besoin. Ouais. Vendeur de poissons. Bah tu m'as dit transmo, c'est ça? Ouais, mais est-ce que j'ai accès à la transmo au niveau 12? Toujours dire. La salle des dépôts est sous haute surveillance, de jour comme de nuit. Vous pouvez laisser vos objets de valeur ici. Salutations. Je pourrais te laisser pour l'instant. Hein. Que la journée soit bonne. Tu le dis. Spiritueux. Marchand de bouteilles. Ici, on vend que du premier choix. Par contre, il va falloir que je... Vu que j'ai changé... Bon voyage. Vu que j'ai changé de spécialité, là, il faut que je trouve une arme. Une arme de mêlée à deux mains. Non, je suis pas censé avoir l'arc. Il faut que je trouve une arme en même temps.
Dose d'épices. Juste au-dessus là, une des boutiques où t'as les éthériens, les mecs en momie. Un héritage, si je dois avoir un héritage. Je sais plus où c'est par contre. C'est où déjà les collection là. J'ai pas grand chose. Vous pouvez rehausser ce niveau de l'objet à l'aide de jetons spéciaux. Bon, par contre, j'ai pas grand chose en. Côté chasseur, j'ai pas grand chose. Lol, mais ça dépend de la catégorie apparemment d'héritage. Il y a d'autres trucs que j'ai ou d'autres que j'ai pas. Usine de Pandari. Chercheur. C'est un nouveau personnage, ouais. Le marché attire des voyageurs de tout Azeroth. Il y a de nombreuses auberges, mais celle-ci est ma préférée. J'ai passé beaucoup de temps ici à écouter les histoires des voyageurs, surtout ceux des royaumes de l'Est. Les meilleurs produits de tout Kul Tiras. Merci de votre visite. Maintenant, il faut que je trouve. Faut cacher ton casque. C'est juste pas loin de. Mais là, c'est, je pense que c'est le magicien. Ah non, c'est le truc de guilde. Maître de guilde. Ah, c'était ici là. Ah oui, là. Je vois venir une transaction mutuellement bénéfique. Ah voilà, d'accord, ok. Par contre, c'est dommage qu'on est obligé d'aller à chaque fois là, quoi, en fait, juste pour cacher le casque. Retoucheur asiatique, pouvoir de ses infinis, maître du destin. Et si nous passions aux choses sérieuses? Bon, par contre, faudrait que je mâche, comme je disais, faudrait que je m'achète une arme à une main, enfin à deux mains là. Il y a une monture qui existe pour pouvoir transférer n'importe où. Ah ouais, mais c'est 100 000 PO. Ah ouais. Ah bah, on va oublier. Hein. Maintenant, il faut juste que je m'achète une arme. Par rapport à ma classe, en fait. Pour l'instant, j'ai pas l'arme qui est en rapport à ma classe. Enfin, ma spécialité. Salut, ma belle. Tu dois en avoir assez de rester ici toute la journée. Je sais ce que tu ressens. Nous irons bientôt faire un tour, je te le promets. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Cyrus me l'a offerte quand elle n'était qu'un bébé. Quelle est la situation?
Le devoir nous a... Vous sentirez vite chez vous. À présent, allons voir Cyrus. Ça doit être à une des boutiques ou même une épée de main, ouais. On peut acheter n'importe quelle arme d'ast au bâton avec de l'agilité ou même épée de main, mais je sais pas si tu peux les porter. Les épées à deux mains. Normalement, non. Quand tu vois la spécialité là, il me dit qu'il faut une arme d'ast ou un bâton. Arme d'ast ou un bâton. Je pense que ça doit être à la boutique là. Non, il n'y a pas des boutiques en bas là. Ou alors je vais en gagner une plus tard. Lecture générale. Attends, il y a. Ah non, faut les demander à un garde, je crois que c'est ça non. Pas de garde. Reste en précision ou maîtrise d'épaisse jusqu'à trouver. Ah, je suis en. Je suis en survie. Reste en précision ou maîtrise jusqu'à trouver une arme au pire. Ah oui, ou à la rigueur, ouais, je peux revenir là. D'accord, mais par contre, il va falloir que je trouve une. Juste que je trouve une arme d'ast alors. Et il doit y avoir des marchands de machins normalement, non? Là, t'as un marchand vendeur d'armes à feu. La fine fleur des ports vaillants, pour vous servir. Il n'y a pas un marchand d'armes. Bon vent. Des problèmes à l'horizon ? Est-ce que ferrailleur, c'est pas ferrailleur ? La loyauté avant tout. Les meilleurs produits de tout Kul Tiras. Ouais, tu vends pas, toi. T'as la pêche. En plus, il va me falloir des trucs comme ça plus tard. Je vous souhaite bon voyage. Ou alors c'est un forgeron qui est pour acheter le. Arme à feu, c'est pas une arme à feu mon truc. Besoin d'aide? À une autre fois. Vous désirez effectuer un achat?
À la prochaine. Ok. Recycler. Mettre des phares ailleurs. Parce que les épées et tout ça, il n'y a pas un marchand? Un marchand spécial? Il va y avoir un marchand quelque part qui te vend tout ça. Cache, spume, je sais pas quoi. Quoi ça? Cache machin. Dans une quête. Et vu que j'ai désactivé un peu le didacticiel en sortant de Hurlevent, que le jeu va m'indiquer tout ça. La capitainerie. Le bureau du maître de port est par ici. Repos! Vous ne voyez pas qui c'est? Mais monsieur, Dame Corsandre a ordonné... Dame Corsandre? Vous êtes au service de Corsandre? Ce sont ses armoiries sur votre bouclier? Non, monsieur. Non. Vous servez Kul Tiras. Vous portez les armoiries des Port-Vaillants, et vous suivez mes ordres. Alors, baissez vos armes et faites place. Nous allons discuter dans mon bureau. À vos ordres! Laissez-les passer! Roi Grise-Tête, c'est un honneur. Je vous donne la permission de rester dans le port. Taelia, préparez un rapport complet pour nos invités. Un roi de Gilneas. À vos ordres. Et le roi des loups-garous, ça, non? Bien le bonjour. La loyauté avant tout. Des nouvelles du front? Le Flynn. Ah oui, c'est lui qui tu voulais me faire sortir. Tiens, il y a une carte derrière. Pour Kul Tiras. Catherine Port-Vaillant nous a tourné le dos et a banni sa propre fille pour traîtrise. Pourquoi nous aideriez-vous? Ouais, c'est les Worgens. Ça a coupé l'histoire là ou quoi? Ou alors c'est le script qui est en retard là. Salutations. Hein? Ne baissez jamais votre garde. Bien le bonjour. Est-ce que j'ai pas kické le... J'ai toujours rêvé d'aventure. Pour Kul Tiras. Est-ce que j'ai pas kické, il y a pas un bug avec la l'histoire là. LOL, lui à nouveau. Parle lui à nouveau mais je peux... J'ai vu assez de guerre pour nous deux. Ouais. Quelque chose à signaler?
La bataille démange toujours mes vieux os. De quoi avez-vous besoin? Parlez. Vous savez comment on appelait les cadets dans votre genre lors de la Deuxième Guerre? Des bernicles. Impossible de les décoller. Bien le bonjour. Servez, vous vous sentirez vite chez vous. À présent, allons voir Cyrus. Cette terre que j'aime tant agonise. C'est pourquoi nous avons autant besoin de l'Alliance que vous avez Attends, besoin de nous. Attends, je re-rentre alors que j'y suis. Voilà. Roi Grise-Tête, c'est un honneur. Je vous donne la permission de rester dans le port. Taelia, préparez un rapport complet pour nos invités. À vos ordres. L'union fait la force. J'ai touché à rien. Quelque chose à signaler? Qu'il ne vous voit jamais grand. Touche à rien. Vaillant nous a tourné le dos et a banni sa propre fille pour traîtrise. Pourquoi nous aideriez-vous? J'ai rien touché là, je bouge pas. J'ai l'impression que je vais devoir faire une déco roco. Non? Ou alors il faut. Ça se met du temps là. C'est... Non? Il va sortir un truc là. Allô? Allô le jeu? Écoutez l'histoire de Cyrus. J'ai vu assez de guerre pour nous deux. De quoi avez-vous besoin? Bien le bonjour. Parlez. Des nouvelles du front? Vous savez comment on appelait les cadets dans votre genre lors de la Deuxième Guerre? Des bernicles. Impossible de les décoller. De mon temps, on savait quand une conversation était finie. Qu'est-ce que Lol. Vous voulez? Une histoire de guerre? La bataille démange toujours mes vieux os. J'ai vu assez de guerre pour nous deux. Ah d'accord, j'ai fait clic droit en boucle en fait sur lui. Je me suis entraîné toute Cette ma vie terre pour que ça. J'aime tant agonise. Je vois. C'est pourquoi nous devons avons lui faire accepter cette de vérité que j'ai moi-même découverte au prix de lourds sacrifices. L'union fait la force. Revenez me raconter d'autres histoires. Il n'a pas rencontré grand-chose, hein. D'accord. Ensemble pendant un moment. D'accord, parler au magicien là, c'est... Nous atteindrons notre but. Quelque chose à signaler? C'est un document. Voilà qui peut vraiment le réseau des bacs. Que l'honneur vous guide. Rompez. D'accord, donc là, parlez au mage. Bonjour. On se voit plus tard. Donc là, je peux retourner à Relevant. Là, à Forgefer. Et là, à Nexodar. Je suppose que à Hurlevent, je peux faire le sens contraire. J'aurais bien voulu voir si ça débloquait le promir. Je peux aller t'acheter un bâton à Hurlevent. Ah bah tiens, oui.
qu'on tire du sorcier par contre. Par là, peut sortir. Ah oui. Ça a changé ça. Mais qu'avant, c'était une seule pièce qu'il y avait au-dessus. Ah, par contre, je suis à l'autre bout. Mais c'est... Je tournerai pas en rond. Attends. Le marché. C'est où déjà? Je ne propose que les meilleures marchandises. Alors, je peux prendre un espadon, un cimetière. Ah, c'est une arme d'ast. À deux mains. Je peux prendre une clé mort. Hein. Apparemment. Ah non, attends. On se voit plus tard. Attends. Changement de. Vous avez besoin de quelque chose? Ah si, je peux prendre quand même. Je peux prendre un bâton de combat. Un espadon et tout ça, je peux les prendre. Je peux prendre même une des haches. Attends, qu'est-ce que je vais prendre quand même par contre? Par rapport à... Non, parce que là, je peux quand même tirer des flèches. Alors que j'ai changé, requiert une arme de mêlée à deux mains. Je vais faire de attaque du raptor. Donc c'est un truc à deux mains. Aussi c'est à deux mains. 16. Ça c'est à deux mains mais il... Ah, quel, lequel? Je peux prendre une épée longue, hein, je sais pas. Là c'est niveau 16. C'est quoi ça? Là c'est une main. Ouais. On a un bâton. Deux des hache. Je sais pas si sur un machin de survie hache ça va avec le personnage. Par contre là c'est
À demain. On se voit plus tard. Là, j'ai une... qu'à demain. Là, l'arc, je vais le garder quand même. Donc, ça et ça. Attends. En fait, tout ça, ça me sert plus à rien. Ça veut dire que machin. Comment je peux décocher une flèche si j'ai pas d'arc? Ça, vu que c'est à deux mains. Donc, bien. La gueule, c'est magique. Évite par une meilleure dans tes quêtes, ouais. Attends, si dans... Là, je peux tout pour ça à la rigueur. Ce serait visuellement, je préfère ça à un bâton. Attends, et là, non, pas du tout. C'était l'autre côté. Partie des mâches, c'est l'autre côté. Et toi, l'épée que, qui me fait penser à un katana, je le verrais bien un fourreau à la taille, moi. Fourreau à la taille au lieu de dans le dos. Tu veuilles repasser au spé. Ouais, c'est pour ça que je l'ai gardé dans mon inventaire. Ouais. D'ailleurs, est-ce que... Est-ce que je peux le... Tant qu'on peut le bloquer, non? On peut bloquer certains trucs pour éviter de les vendre. Ah, attends. On va aller voir. Juste par curiosité. Ah, c'est loin. Des forgeons. Ah ben si. J'ai une impression de déjà vu. Si si, toi, je peux débloquer. Une ligne temporelle. Maintenant, là.
J'ai débloqué le truc là-bas, je suis obligé de le faire entièrement. Donc là, si je veux recommencer un personnage, là, je peux le faire en fait. Et donc, si j'ai bien vu, normalement, c'est ça, ça, ça. Et après, ça, ça, ça. En fait, là, c'est pas dans l'ordre chronologique. Par exemple, clé, défi, passer pour les personnages de niveau 10 à 50. Par contre, il faut que je bloque mon XP à un moment 47, je crois. Si je veux faire tous les autres machins. Mais en fait, il peut être catapulté en premier, ouais. Alors que normalement, c'est pas ça, ça et ça. Ça, c'est en troisième. Je sais pas pourquoi ils le mettent en premier, en fait. Active de plafond. C'est ça, hein. C'est bien pour le portail vers l'autre terre, hein, on suit l'ordre chronologique. Ça mélange Cataclysm et WoW Vanilla. Ah, Cataclysm, ça serait WoW Vanilla. Ça mélange Cataclysm et WoW Vanilla. Mais si on fait dans l'ordre, c'est ce que c'est, Vanilla, ben non, moi j'ai commencé un peu plus tard, je crois. Je sais plus, par BC, je crois que j'ai dû commencer, ou cela juste après. Et WoW normal. Ouais, le WoW avant BC. Ouais, mais il mélange Cataclysme et WoW Vanilla, alors que Cataclysme, c'est là où ça a transformé la carte, non? Ça modifie les trucs, Cataclysme, tout est mélangé au milieu des zones WoW normal. Où ils ont pas séparé pour les lignes temporelles de Chromie. J'ai choisi Cataclysme. Ouais, mais si on suit l'ordre des extensions, c'est portail, roi lich et cataclysme. Non? Les secteurs d'exposition du métro. La chronologie. Je voudrais être sûr de bien commencer, entre guillemets. Tu as accès aux zones et aux donjons de WoW classique au niveau 40, je crois. Celle-là, c'est vrai que là, c'est l'outre-terre, donc au niveau machin, ça n'a rien à voir. Là, c'est le Nordfendre. Cataclysme a pas modifié le Nordfendre. Non, mais là, j'ai les deux exemples. J'ai vu dans une vidéo, il disait, toi, que ce que je disais depuis le début, Outre-Terre, Roi Lich, Cataclysme. Enfin, WoW Vanilla, c'est pas une extension. Oui, bah oui, c'est les jeux de base. WoW Vanilla. C'est pour ça que là, c'est des extensions.
cataclysme. Merci. Le cataclysme, ça mélange WoW. Oui, j'ai compris ça. C'est pour ça que c'est en premier. Bon, allez. Aurait cru qu'une créature nommée Eldemort causerait une telle destruction. D'accord. Alors j'ai choisi. Par contre, c'est normal que ça. C'est quoi l'ordre du roi là? Attends, ça c'est... Oui, ça c'est des zones, ça. Attends. Cataclysme par l'incru dans le quartier des nains. Quel plaisir de vous voir. Tant de choses, c'est plus que tant de choses que ça. Ouais, d'accord. Oh, bonjour. Ok. Entrer dans le sanctuaire des... Là, les quêtes qui sont là... Ça c'est des quêtes secondaires ça. Est-ce que je ferai les quêtes secondaires? Ah 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 ah. Vu que je suis niveau des quêtes que ça va dépasser la zone. Ah oui, le sanctuaire du sorcier, c'est le truc des mages ça, non? Et ici. Parce que là, t'es... l'ordre du roi. Prends les quêtes dans la capitale. Ouf. Là, les quêtes comme ça, tu vas avoir beaucoup. Attends. Déjà, les quêtes principales, tu vas en avoir beaucoup trop. Pas dans ta zone. Prends les quêtes dans la capitale du temps. Ouais, c'est des quêtes secondaires, ça. Oh, par contre, tu sais pas si on peut réactiver le didacticiel? Parce que normalement, à un moment, ils t'apprennent pas les... Moi je voulais voir parce que là t'as la quête ici, là t'as une seule quête. Et pas la quête ici. Juste voir c'est quoi cette quête là. L'ordre du roi. Comme j'ai des actes des tacticiens, normalement ils t'apprends pas les métiers tout ça là.
Ça, c'était coché. Réinitialiser, ça fait quoi? Ils ont coché. Ouais, ils sont. Que quand je suis arrivé à Hurlevent, je suis sorti de Hurlevent et il me disait ça va désactiver le didacticiel. Pas ce que tu veux. On va voir si. Elle est où ça? La lumière vous souhaite la bienvenue. Commandant des armées de l'Alliance, c'était pas leur roi, toi. Nous n'allons pas reculer maintenant. On est pas censé avoir une quête là. Salutations. Ah non, c'est ça. Ah, il m'envoie au Carmine. Nous avons examiné les débris, votre majesté. Il n'y a aucun signe de l'amiral Taylor, ni de son navire. Je dispose de 200 bateaux, et mon fils se trouve sur le sol qui manque à l'appel. Que dit leur dernière transmission? Donnez-moi tout ce que vous avez. La flotte aérienne de la Horde nous a fait perdre le cap. Nombreuses victimes. Nous avons échoué sur une île non répertoriée. Mais le pion blanc est avec nous. Je répète, le pion blanc est en sécurité. Honte. Attaque surprise! Demandons assistance! Si quelqu'un reçoit ce message! Votre Majesté, la 7e flotte est déjà en route. Mais il faudra plusieurs semaines avant. Nous n'avons pas le temps. Envoyez une troupe d'élite tenir ce nouveau territoire. Et me ramener mon fils. Attends. Désactive. Attends. What? Attends, les carmines, c'était pas. Il y avait les paloons envoyés sur le panneau. Les carmines, c'est là. Peut-être à 50 la zone. Il y avait les terres foudroyées. Non, pas les terres foudroyées. Attends. Explique pas ce que tu veux. C'est juste à droite à Hurlevent. De Hurlevent. Ah, tu veux dire la zone. Ah, c'est ça, c'est les carmines, c'est là. J'essaie de me souvenir. Il y avait sur le panneau en fait. Il y avait les palons. Et je ne sais pas d'ailleurs. Ouais, j'ai trouvé tout seul. Ouais. Bah, c'est-à-dire que comme il y a un décalage. Là, je sais. Palombe, les Tarides, la péninsule en flamme. C'est Outre-Terre, ça, ouais, c'est ça, Outre-Terre. Aider les esprits. Les Palombes, et du Nord, Marine du. Ouais, c'est ça, ici, il t'envoie ici. Tarides, les Tarides, c'est pas l'autre continent, attends. Non, c'est pas là. Ah ouais, d'accord, c'est un machin qui t'envoie directement sur l'autre, ok.
Ouais, je peux commencer par le truc du roi, hein, c'est pareil. Par contre, ça là. Ouais, c'est ça, c'est là. Et pourquoi il t'envoie là dès le début du jeu en fait? Arrête de. Ah oui, que je suis con, c'est pour retourner à l'autre truc. Je comprenais pas, c'était pas la même. Ok. Donc là, je suis revenu. Je sais pas combien d'années en arrière en fait. Donc rendez-vous à la fin du jeu dans 2 ans. Le temps de faire même toutes les quêtes principales. Même si j'en fais un peu tous les jours. La quête. Ouais, c'est le. La quête de l'autre extension en fait. Vu que c'est pas séparé ici là. Votre rapport. À l'amiral Rogers à bord du brûle-ciel. Dans du port, faites Au revoir. Le ciel parlait à l'amiral. Ah, je pensais que je devais aller là en fait. T'as trouvé un vol, c'est optionnel. Je suppose que je vais parler à l'amiral, ça va enlever le. Ah, d'accord. Salutations. On se voit plus tard. Okay. Le temps que ça me remonte au cerveau. Il faudrait que je teste les capacités là. La victoire à la guerre est le seul moyen d'obtenir la paix. Attends, avant d'aller voir ça, il faut aussi aller voir l'amiral, non? Ah ben non, il est déjà là, l'amiral, que je. Pour l'Alliance. Ah, oups. Oups. D'accord, oups. Ouais, j'ai pas lu le truc en fait. Bon, mais. Attends. Oups. C'est tellement bien expliqué ou alors j'ai mal lu. Je choisis, je suis la, toutes des quêtes et ils m'envoient en Pandarie en fait. Ah oui, je suis déjà en Pandarie. Ah, fait chier. Pourquoi ils m'envoient en Pandarie? Ah, que j'ai choisi toutes des quêtes là. Et comment je fais pour revenir en arrière maintenant? Parce que t'es allé prendre la. Bah oui. Si là.
Attends, voilà, je reprenne le... attends, si je comprends bien, c'est en dessous. Le premier truc que j'ai choisi. D'ailleurs, la pierre de TP là. J'ai pris la quête en bas, machin du roi, ça disait bien la zone machin. La zone royaume de l'Est. C'est pour ça que j'ai continué le truc moi. Quand j'ai pris la quête ici, ça me parlait bien des Carmines. C'est pour ça que j'ai continué à prendre le truc moi. Quête, c'est quoi déjà? Donc j'arrive le truc et il me donne une quête de Pandari. Non, j'ai pas pris les quêtes sur le tableau. Et qu'on a, j'ai pris la quête machin là. Ça me parlait des Carmines. Ok, attends, si je fais ça, je fais... Le reste t'en fous. Les carbines, machin, Carmine, c'est bien royaume de l'Est. C'est ça que je mal à comprendre le truc. Parce que ça, c'est pour retourner dans l'autre, dans l'extension battle machin. Ah, ok. Je vais regarder ça, puis après, sinon je vais repartir sur le tableau. Comme ça, la quête me parlait des Carmines. C'est bon, c'est dans le Royaume de l'Est, ça va. Ouais, j'ai vu le truc des nains là, ouais. Et juste après, j'ai le tableau machin. Ou alors je confonds de quête qui me parlait des Carmines.
Restez concentrés sur la mission. Que là, ça part sur Pandaria. Alors que t'es censé être des cataclysmes machin, il t'envoie à Pandaria. J'ai du mal à comprendre le truc. Qu'est-ce que fait Pandaria maintenant là? Qu'est-ce que ça fait ici? Ça devrait pas être encore là, Pandaria. Enfin, j'ai du mal à comprendre le truc là. C'est qu'elle était présente avant qu'ils sortent leur truc de ch... Ah ok, d'accord. Du coup, ils ont oublié de la cacher si tu poses une autre ligne. Ah ouais, d'accord. Ah bravo. Et au début, tu t'es d'accord avec moi. Il parlait bien des Carmines. Pas fait gaffe, d'après tu m'as bien dit ouais les Carmines ça se trouve ici. Ça parlait bien des Carmines. Parce que là la quête c'est 10,50 et là c'est 7,50. Il y a un truc ouais bon. Donc, il va falloir que je choisisse ça. On va y aller. Quoi ça, Komi? Ah oui, c'est, je vais retourner en arrière. Bon, par contre, faut pas que j'oublie au niveau 47 de bloquer mon level. Choisir la zone que tu préfères. Bon, 1h37 de live et j'ai toujours pas vraiment commencé. Wow. Pas vraiment lancé dans le truc. J'aime bien. Et à gauche et tout droit là. Allez-vous? Non. À très bientôt. Honneur au roi. Tu peux me lancer là-bas ou j'ai pas le droit d'y aller? Est-ce que je vais devoir me... Faut que je me tape à pied en fait. Faut aller là-haut. Non? Ou alors faut que je choisisse les nains. Le truc des nains souterrains là pour qu'ils m'envoient là-haut. Pas y aller je t'ai dit plein de quai la zone que tu préfères parce que je viens de faire là haut et pour y aller en fait, tu vois à la fois faut que je prenne les trois quêtes outre terre et les trois machins en même temps.
Elle la remplace par une tête d'outre. Hein? La lumière. Moi, je vais là-haut. Je la turcos. On est avec un 1-1. Oui, parce que... De toute façon, j'ai une quête qui m'envoie ici. Et une quête là, une quête là et une quête outre-terre. Moi, je vais partir d'abord là. Comment je vais ici? Je peux pas y aller par vol parce que j'ai pas reconnu le lieu. Je te TP. Mais il y a pas les nains qui t'emmènent en haut, un truc comme ça. Le truc souterrain là. T'emmène pas là-bas. Ah ouais, bah voilà, c'est ce que voilà, c'est ça que je te demandais. C'est le tram qui t'amène, mais il t'amène à Hors de Fer, qui t'amène dans la zone dans la première zone. Là, je vais me demander. Retourne chez les nains. Ah oui, par contre, ça risque d'être long, ouais. Parce qu'à la base, ouais, tu devais faire tout à pied, alors. Ah oui, il m'emmène à Forgefer ici, là. Ah ouais, je crois qu'il m'emmène ici, là, à Forgefer. Et après, il faut que j'aille ici. Peut-être faire. Et en plus, il y a des quêtes à Forgefer. Ah, attends, je vais déjà aller à Forgefer. Je vais atterrir à Forgefer. D'utiliser le truc de foyer pour éviter de aucun souci.
la sortie maintenant. Il y a des quêtes ici à force à faire. Attends. Oh, il est carrément derrière. Il y avait un point de vol juste là. Ah, c'est derrière. Ouais, ça va être un gros voyage, sacré voyage pour le chemin. Sinon j'arrive, je te passe par-dessus la montagne en 2 minutes. Ouais, si tu veux, ouais. C'est vrai que là... Non, il va falloir que je fasse ça, je remonte là-haut, non? Elle baronne. Vite. Et on fait comment déjà pour les invites? Parce que moi je m'en souviens plus. Hein. Ou alors c'est pas social que je dois passer? J'ajoute un contact? Non, c'est ça? Un A dans mon chat? Quoi? Et quoi? C'est quoi l'invite? Thank you.
Par contre, ouais, mais pour que tu viennes, il va falloir que tu choisisses la même temporalité que moi, non? T'es pas dans le même machin, est-ce que ça fonctionne? Que toi, si t'es sur Shadowland et puis moi, je suis temporalité là où je suis. Là, apparemment, t'es là, mais pas dans la même temporalité que moi. J'ai vu tout plein bleu. C'est un peu galère là quand on n'est pas dans le même machin en fait. Je n'ai pas de cible. Ah si, ça tire genre de la balette. Même tempo là. Merci. Une. La guilde. Ah, parce que tu t'es transformé à carrément en monture en fait. De pas de guilde. J'ai une guilde, mais normalement, j'ai juste dans la guilde de Mythes et Légendes. Mais je sais pas si elle est toujours active, par contre. Sur Vol'jin. Je vais aller voir, apparemment, mon premier personnage, il y est toujours, donc. Partage ta quête. Quoi faire? Je cherche... Ah! Et comment tu fais? Pour partager la quête, je sais pas. Je suis un noob. Là, c'est un peu à droite, en fait. Mon point d'interrogation. Il est à droite, là. Voilà. Là où tu es. Voilà, regarde. Je sais pas si tu vois mon écran, là. Là, c'est derrière toi, en fait. Par rapport où t'es là. Un peu à gauche, voilà. Et là, c'est dans ce coin-là. Ok. Eh ben, c'est là. Merci. Merci pour ton aide.
Ça m'a fait gagner du temps. Ok, bah moi je vais faire une petite pause. Et je reviens tout de suite. oui. Fais une petite pause dans mes streams de temps en temps, mais merci, hein. Merci quand même. Merci de l'aide. Battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. Thank you.
Ok. Pour un petit peu voir le début de cette l'appel du héros là. Oula, oula. Un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir pour moi. Gardez les pieds sur terre. Que puis-je pour vous? À très bientôt. Attends. Pourquoi j'ai pas la... la capacité de tout à l'heure? Ah bah non, je suis con, je l'ai changé de place. Ta maîtrise, engagement spirituel, technique. F clé. Familier actif. Tant que votre familier est actif, vous récupérez pratiquement 1% max de vie toutes les 5. Faire tester le... l'arme. Ah bon. Bon, par contre, j'ai pas encore le cycle. Hein. Oh, et il court vite pour des orques là. Dedans ou dehors? Je ne suis pas à portée. J'ai failli me faire buter comme un con. Bien,
Comment allez-vous? Faites un bon voyage. Que puis-je faire pour vous? Portez-vous bien. Un plaisir de vous rencontrer. On va essayer de bien un bon port. Faut que je fasse un voyage. Mais je le vis. Vous pouvez poser au panneau quand la barrage a cité. De pire devrait l'amadouer, apporte-le lui, d'accord, on est bien. Faites un bon voyage. Et c'est dans quel sens, par là? Et bien... Une fois que j'aurai fini cette ligne temporelle, avec le level que j'aurai, je vais défoncer toutes les autres, non? Ligne temporelle. Hein? Quand je vais monter, au bout d'un moment, une ligne temporelle, mon level, il va être largement au-dessus. C'est dans la bonne direction. Pas du tout. Bon, peut-être là je sais même pas lever. Ah, ça me dit que c'est bon. Ah non, j'ai rien dit. C'est pas la bonne direction. Bonjour. Si on t'a rien compris. Gardez les pieds sur terre. Salutations. Portez-vous bien. Un plaisir de vous rencontrer. Gardez les pieds sur terre. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça clôt 10 emplacements. Là je suis à 12, je suis à 10, là je suis à 8. Je ne peux pas mettre ça là. Ah bon? Ah oui, ça peut échanger, ok. Là je suis à 10, 10, 12. Ah non, c'est tous des premiers soins.
8, je peux... Ah oui, je peux changer. Voilà, comme ça, je peux mettre 10. 10, 10 et 10. Allez, juste... Ah, je suis à 12. Portez-vous bien. Un plaisir de vous rencontrer. Je sais pas c'est à quel level. À très bientôt. Il te donne carouel des tailleurs de pierre. Ah. C'est trop loin. Heureux. Et un sacré souffle, mon personnage. C'est trop loin. Je dois m'approcher. Et j'aurais dû me faire deux barres différentes là, une pour chaque spé. Métier. Je vais apprendre des métiers comme le suivant.
Et arrête. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc plus que les pots de grive là. Par contre, comment tu fais pour avancer? On n'est pas dans l'homme de l'Atlantide là. Et les bras ils servent à quoi? Il nage sans les bras. Balèze. J'aime bien mon arme là. Oudeis. Mais non, c'est pas soudain à être allé dans le bon sens. Ah non, les bestioles. Ah, mais d'accord. Je pensais que je devais pas les toucher. Bestioles. Ok, elles étaient pas méchantes. Pas directement vers le mob. Je ne suis pas à portée. Je pense quand même que j'ai dépassé. Regardez le niveau des PMJ. Ils sont 12 pourtant. Parce que c'est un désengagement, j'ai même pas besoin de le tuer. Le pur de l'homme utile la cible, ce qui réduit sa vitesse. Les ennemis s'adaptent à ton level maintenant dans toutes les zones à part pour l'extension en cours. Et les quêtes aussi s'adaptent. Ah ok. Parce que je... ouais, les personnes les sont pas forts en fait. Il y a pas de danger. C'est ça que je veux dire. Que puis-je vous proposer aujourd'hui? Gardez les pieds sur terre. Comment allez-vous?
Adieu alors. J'ai les plus belles marchandises du pays. À très bientôt. Parce que t'es bas le niveau, que t'as pas beaucoup de sorts. Enfin, ah, c'est fait exprès pour passer au début. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sorts, mais on sait quand même. Oh oh. Lol. D'accord, mon prochain truc c'est au level 14, c'est ce harpon. Ah oui, le fameux harpon, je crois. Lance un harpon sur un ennemi, ce qui 3 secondes et vous attire à lui. Ah ok, donc si, par exemple ça, si je veux attaquer en mêlée, avec attaque du raptor. Plaisir de vous rencontrer. Quoi que ce soit, par contre. Prépare un mauvais coup dans le coin. Si que les bénés l'attendent à côté, à force de faire moins. Mettre un coup là-dessus dans son coin, mais ici, il n'y a plus de place dans les. Faites un bon voyage. Faut pas dégoûter les nouveaux joueurs dès le premier. Ouais, mais je pensais que c'était un peu, entre guillemets, un poil plus élevé. Si le level c'est pratiquement pareil, en fait, finalement. Et je suppose que toi, t'as ta répute au max de partout. Et attends. Non, cueillette, c'est dans le même endroit. Il n'y a que 3, c'est là. Perdu une bonne réponse. Je ne suis pas à portée. Boris, ah ouais, non, mais c'est juste pour savoir si. Donc là, je pensais. Je ne sais pas. Ok, Théophile, c'est bon. Et par curiosité, t'as mis combien de temps pour faire tout ça? Pour les réputes à fond là? C'est trop lourd.
Je dois m'approcher. C'est trop loin. Ça va lui mettre quelques années. Après, tout dépend combien de temps tu joues au jeu par jour. Je suppose qu'en étant exalté partout, ça te donne des quêtes, peut-être des quêtes en plus, des items. T'as la collectionnite aiguë. Attends, ça, vous n'avez pas reçu cette apparence. L'apparence ? Ça va aller où ? Ah non, c'est pas. Non, je peux pas le mettre en main gauche. Main droite. Ah oui, c'est pas. Je ne suis pas à portée. Attends, t'es censé mettre tout dans la même zone. Maintenant que les poignées des restes soient tous au même endroit. Je dois m'approcher. Pas de cible. Et il y a un index qui nous rappelle le nombre de monstres qu'on a tués en fait. Ce n'est pas possible. Et ils se retournent pas automatiquement, c'est dommage.
Que puis-je pour vous? Faites un bon voyage. Vous m'offrez une chopine? Surveillez vos arrières. Un plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Bonjour. Portez-vous bien. Ok, eh ben, ça sera tout pour ce live. Je vous remercie pour toutes les vues, votre nom. Merci Carpaccio pour tes conseils. Merci d'avoir été là. Et sur ce, je vous donne rendez-vous normalement ce soir pour la suite. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci pour le follow. Merci à toi.
your hand. May the cards lay out astray. All from your command. That's the way it is. That's the way it is.